Attends, je fais un test. Je peux... Non. Je peux pas utiliser de lit. Bizarre. Quoi? On peut pas? Je peux pas utiliser de lit. C'est bizarre. Ah non, hein. D'accord, c'est parce que j'avais placé mon lit à côté de l'établi, c'est pour ça que j'avais du tissu en lin. C'est pour ça. Ah. Ah oui, d'accord, je pensais que utiliser c'était pour le lit alors qu'en fait c'était pour l'établi qui était à côté. Oh zut. Oh. Donc le lit c'est purement décoratif. Bah j'ai eu un gros lag. Encore. Fait que je me suis arrêté juste au bord de l'île. T'as eu de la chance. J'ai failli mourir. Et mon chat. Attends, aussi. Mais comment je vais faire cet escalier, moi? Ah oh là 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 là, tant de travaux, punaise de punaise. Graine d'aloès. Ah, oh, punaise, on va être obligé d'enlever la fenêtre là. Oh, mais j'y pense, je peux peut-être faire mon équipement de niveau 5. Non! Possible, oui. Ou peut-être voir ce qu'on peut améliorer. Alors. Ah! Voilà. J'ai planté des aloès. Aloès, ah, joli aloès. Aloès, je te planterai. Oui. Alors, pour améliorer l'établi, il faut des barres de fer, évidemment. Pour améliorer l'hôtel, il faut des barres de fer, évidemment. Pour améliorer l'enclume, il faut des barres de fer. Alors, il faut quoi pour améliorer, ton atelier d'archer? Oh, des barres de fer. On aurait dû affronter le boss, je pense. Et pour la table de dessin niveau 2, il faut... Oh, surprise! Des barres de fer. Bah après, on peut tout aussi bien, là, tu vois, faire une petite pause et essayer de... Oh punaise, mais qu'est-ce que je fais? Mais que fais-je? Mais que fais-je donc? Je fais un feu sur de la paille. Faut peut-être que je me débarrasse de tout mon bazar, là. Tout mon bazar qui est très encombrant et que... Je sais pas où placer, parce que tout est très encombré. Si seulement nos coffres débordaient de coton, ce serait tellement pratique. Oh, mais c'est déjà le cas. Quel bonheur. Alors. Si en coton, j'avais dit combien des... Je sais plus. Yeah. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, poussière d'émeraude. Mon dieu. Oh, fichtre, je suis tombé. Ah ouais, c'est ça le problème. On n'a pas assez d'émeraude. Oui, bah voilà, il nous faut des émeraudes, donc de toute manière, faut qu'on retourne dans le désert. C'est même pas dans le désert qu'il y a des émeraudes. Si. Non. Il y a des rubis, mais il n'y a pas d'émeraudes. Oui, non, mais les émeraudes, tu les récupères sur les ennemis. Ah, d'accord. C'est sur les tortues que tu... Oh, punaise, j'ai planté un bloc de pierre dans l'arbre. Sur les tortues, on récupère des émeraudes. Ah. Non, mais viens voir ce chef-d'œuvre. Franchement, regarde-moi ça. C'est du grand art. J'arrive. Ah, oui, j'ai bugué, voilà. Effectivement, ça pose un léger problème. C'est pas grave. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'on va se débarrasser du toit ici? Est-ce qu'on est vraiment obligé? Bah, ça ferait plus d'espace, ce serait pas mal. Bon, bah, si tu peux récupérer certains blocs de béton en bas. Ok. Parce que du coup, j'en ai fait tomber quelques-uns. Je ne vois pas. Parce que j'ai fait n'importe quoi.
C'est du béton, c'est ça? Ouais. Voilà. Tellement de coffres. Merde. Waouh. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai fait 110, je pense que ça va suffire. Ah, oui, oui, ça devrait aller. Je pense pas que le sable ait une autre utilité. Je ne crois pas, non. Là, l'établi est en train de bosser à fond. Hein. Je vois ça. Ah non, le cuivre, zut, y a pas assez de place, là. Du coup, il va finir dans... Bon, ça va. En fait, il est fait 5 par 5. Ah ouais. Ah, d'accord. Chaque ah mais y'avait un coffre, là. Chaque bloc de sable... Chaque bloc de sable fait 5 blocs de béton. Ah. Ah oui, c'est logique, parce que j'avais 22 blocs de sable, ouais. Et là, ça m'en fait 110. Ah, c'est pratique. Voilà. J'ai bougé mon atelier, hein. Ok. Ouais, donc à chaque fois, j'ai besoin de résine, d'émeraude. Ah, bah, il faudra qu'on bosse là-dessus. Bon, normalement, les tortues du désert, là, vont pas faire long feu face à nous, hein. Ok, bah, je pense que là, j'ai tout le matos qu'il me faut, là. Je suis bien stuffé pour la prochaine fois. Ouais. Bon, ça va, j'ai les 110 blocs de béton. Bon. Ah, tu peux les placer dans le coffre sous la fenêtre, si tu veux. Sous la fenêtre. Celui-là, là. En plus, ils sont tous, ils tiennent tous en un seul bloc, justement. Voilà. Par contre, du coup, on pourra peut-être déplacer la table de dessin. Ouais. Ouais, en effet. Bon. Bah, oh punaise, le champ, quoi. Eh ouais. Qui n'a pas besoin d'être récolté. Il faudra en faire un deuxième. Oui, ouais. On a tellement de coton. Il faudra en faire un deuxième. Il faudra en faire un deuxième. Eh bah, quelle aventure, hein. On est pas mal. Ouais, je pense. Bah on a. Bien. Oh, j'ai failli tomber. Par contre, ouais, c'est décevant un petit peu pour les lits, quoi. Ouais, qu'on puisse pas les utiliser, c'est très dommage. On va taper. Sauter dessus. C'est pas mal. Bah moi j'essaierai de paraître un peu encore mieux que là en fait. Parce que niveau armure en fait ça serait bien que j'ai les trois en fait. Et que ouais. Du coup j'alterne. Punaise, j'ai vu dans ta cape. Attends, reviens là. Zuck, devant moi. Ouais. Je voyais l'intérieur de ton chapeau tout à l'heure. Ah zut. Non bah tant pis, c'est pas grave. J'ai vu l'intérieur de ta tête. Et alors, qu'as-tu vu? Oh, moi aussi, là, je vois l'intérieur de ma tête. Enfin là, c'est plutôt l'intérieur de mon cou. Bonjour le chat. Ouais, c'est mon cou, ça. Il est où, mon rat? Il est censé te suivre automatiquement, non? Oui, et après, il spawn. Ah mais il est là. Non, mon chat ne l'a pas mangé. Je n'ai rien supposé. Tu as pensé très fort. Non. C'est faux. Mais regarde cette adorable boule de poils, elle est tellement innocente. Mouais. Mouais. Admettons. Bon. Mais bon, c'est bien ça. Le magicien a son chat, la tireuse a son rat. C'est bien, ouais. Hein, ça se complète. Ah, parce que moi, il va repérer les lieux. Que ce tableau est adorable. Et on a gagné un magnifique trophée. Yeah. Excellent. C'est bien, tu manges là, t'as ça devant toi. Bon appétit, bien sûr. Ah, c'était la gloire. Ouais, non, on a bien avancé, là. Oui. En tout cas, la prochaine fois, on ira tabasser ce boss. Car on a une quête qui nous attend justement dans le monde... 104, enfin en tout cas sur l'île 104, qui s'appelle les sables hurlants. Oui, c'est vrai que c'est plus parlant de dire les sables hurlants. Oui, parce que 104, en somme,
Ça oui. fait un peu astro... enfin, comment dire, les astronomes qui, ou les scientifiques qui découvrent une étoile et qui la nomment, je sais pas, CZ444 ou quelque chose du oui. genre. Enfin bon, en tout cas, on aura une quête pour peut-être débloquer un passage vers le monde du boss qui nous permettra peut-être de, bah, d'ouvrir un passage vers un monde qui aura, lui, comment ça s'appelle ? Mince, c'est quel type de pierre dont on a besoin déjà ? Le fer. Quel type de pierre ? Ah, de pierre ! Pardon, le... C'est pas la malachite. L'albâtre, je crois, non ? Non, c'est pas l'albâtre. C'est la... l'amnésie soudaine, là, inopinée. On a besoin de... Le basalte. De basalte. L'albâtre... attends, l'albâtre, c'est quoi ? L'albâtre, ça a pas du tout la même couleur que le basalte. Que ouais, le basalte, hein, c'est complètement l'inverse même. Oui, enfin bref. Oui, c'est plus clair l'albâtre, oui, effectivement. Ah bah c'est un peu blanc, non ? Blanc bon, cassé, je crois. On est censé dire au revoir. Bref. Le débat est ouvert. Basalte ou asphalte ? Ou asphalte. moi, je dis. Albâtre. Je dis le lit. Allez. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Salut, à la prochaine. Bye bye.